Ça, c'est un point noir de là-bas. À dire vrai, c'est même la 8e plaie d'Égypte. Monsieur Edouard, ce soir, j'ai pas le cœur à vous écouter. Vos histoires de prince, de pyramide, la diocèse, m'ont plu. Et maintenant, c'est terminé. En pâte ici. Hein? En dehors du petit déjeuner, t'as d'autres projets? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je croyais qu'on se connaissait pas. Maintenant, on se connaît. Dis ça. Oh, le sois tranquille. Je suis bien ici, moi. En famille. Écoute, maman. Je sais que tu peux garder un secret, mais... Edouard. Quoi, Edouard? Edouard. Que tu cajoles. Que tu dorlotes. Tu sais ce que c'est, Edouard? Oui, Edouard est un monsieur très gentil qui est un peu dépaysé, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, c'est tout. Maman. C'est un assassin. Le monsieur égyptien, dans le train. Le monsieur égyptien? Dans le train? Oui. Eh ben, c'était l'amant de Sylvie, depuis le bateau. C'est vous qui la lui avez présenté, non? Antoinette. Vous m'aimez pas beaucoup, hein? Ça n'est pas de la générosité, monsieur Baron. C'est un simple témoignage d'amitié en souvenir du peu de temps que j'ai passé parmi vous. Alors je vous quitte.